I'm a creep. Betty butter, bottom butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Bon midi, on est le 16 novembre, j'espère que votre trading va bien. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que ça vous intéresse de voir si j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Je vous le dis tout de suite, 2480. Je vous rappelle mes règles du jeu à moi, OK? Une seule transaction à fois, 50 000 $ US mis en jeu. Mais il n'y a pas de jeu ici. Et le but est de le tenir le moins longtemps possible. Ça peut arriver que je me trompe. Ce matin, c'est une bonne journée. Ça arrive, ça. Les marchés boursiers sont à la hausse parce que Moderna vient de trouver un nouveau vaccin. Et ça va bien. Ça a bien été un matin. Ça a bien été. Je suis parti tout de suite. Je vous le jure, là, à 9h30, là, même 31, je ne savais pas quoi acheter. Je ne savais pas quoi acheter. Mais il y a eu une opportunité qui s'est présentée à 9h35 avec Palantir, que je transige régulièrement. Bon, avant d'aller plus loin sur les titres que je transige, comment je fais pour transiger que les mêmes? Est-ce que je regarde les états financiers? Absolument pas. Okay? Dans le day trading, on n'est pas dans les états financiers. On est dans qu'est-ce qui va nous donner le plus de swing possible puis quand est-ce le détecter. Bien entendu, je regarde les courbes. Est-ce que les courbes s'en vont vers le haut? Est-ce qu'il y a une chance qu'ils fassent juste un bas? Aujourd'hui, j'ai tradé aussi avec Snap le Moving Average et j'ai bien fait de m'en débarrasser. Vous allez voir pourquoi. À moins que ça a changé. Mais regardez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 transactions pour un profit de 2480 de 9h35 à 10h59. Mon but, c'est que ça se finisse à 11h et ça a marché un matin. Il y a des fois que ça ne marche pas. Ce matin est un bon matin. Et pourquoi j'ai fait de l'argent ce matin? Parce que je n'ai pas été patient. Des fois, il faut être patient. Il faut être patient à trouver le stock, impatient de le vendre. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire ce matin. 2480, mon objectif, c'est 500 par jour, je vous le rappelle. Hein. J'ai une très, très bonne semaine. Je pars bien. Ça ne veut pas dire que ça va être le restant de la semaine comme ça. On va regarder quand même pourquoi j'ai fait ces décisions d'achat-là et pourquoi ça a fonctionné et pourquoi que j'ai eu chaud à l'occasion. On va regarder ça une par une. Une par une. Donc, Palantir, je vous amène. Je vous amène avec moi. Voilà, je suis bien là. Parfait. Regardez Palantir en partant. Donc, c'est la première action que j'ai transigée, puis je vous dis pourquoi. J'ai acheté à 9h35, exactement ici. Regardez, c'était le plus bas. Okay? Tout était bas. C'est exactement ce que j'aime. Ce RSI-là était bon. Celui-là frôlait le bas. Lui, il était out of bound. Hein, il est supposé, techniquement, il est supposé être entre les lignes bleues. Je l'ai acheté ici. Quand il a commencé à monter, je l'ai acheté à 15,25 ici. J'ai attendu 1-2. Okay? Il était parti. Et je n'ai pas été patient. À 9h40, c'était terminé. 9h35? 9h40. Bingo! Merci beaucoup. Il venait de dépasser le VWAP. Tout de suite comme ça, 1680, j'en avais acheté 3500. J'ai acheté à 15,25 à 9h35. J'ai vendu à 15,73 à 9h40. Bingo! Tout de suite revendu. Pas de niaisage. Est-ce que j'aurais pas attendu? Ben oui, j'aurais pas attendu. Mais regardez, il est redescendu. Je me suis fait avoir par l'émotion vendredi. Je suis revenu à la base d'aller garder le moins longtemps possible. 1680 en 5 minutes. J'aurais pu arrêter là. Mais j'ai été voir Ford. À 9h50, j'ai eu une pause de 10 minutes. 9h50, j'ai été voir Ford ici. Et Ford, bien, l'avantage, ici. Je l'ai acheté un petit peu. Je ne l'ai pas acheté au bon endroit. Mais à 9h50, ouais, je l'ai revendu tout de suite. Je l'ai revendu tout de suite. J'ai payé 8,66. 8,66 ici. Et je l'ai revendu à 8,68. Il ne s'en allait pas dans la bonne direction. Il m'inquiétait un peu, puis le Dow Jones baissait en même temps. Parce qu'on ne peut pas chercher un stock en faisant du day trading sans regarder le Nasdaq, le S&P 500 ou le Dow Jones. Et quand j'ai vu que ça rebaissait, je m'en suis débarrassé, honnêtement. Je l'avais acheté 6 000, j'ai fait 2 cents par action. C'est pas beaucoup.
mais ça m'a donné 120 $. On accumule, OK? C'est de l'accumulation 2 minutes, 120 $. Donc, j'étais à 1680, je suis rendu à 120 $ de plus, 1800. Il est juste 9h52, là. C'est ça, je l'ai vendu ici, à 9h52, ici. Puis regardez, après ça, il a augmenté, il bouge. Il bouge, puis il descend. Il joue beaucoup sur le... Vous voyez, il veut rattraper le moving average. Donc, en ce moment, il est supposé être trop cher, mais il n'y a pas de supposé à la bourse. Il peut aller dans toutes les directions. Donc, j'en ai profité. Il a monté après. Il a monté tout de suite après. Il a baissé, puis il a monté en flèche. Mais, je suis retourné à 10h04. J'étais très actif ce matin. Je suis retourné voir. Je l'aimais pas. J'aime pas quand les actions bougent pas trop, puis ça peut aller dans toutes les directions. Il reste que le marché boursier en ce moment, regardez là. Okay. Le Dow Jones. Dow Jones. Ici. Il est quand même haut, hein? Presque 30 000. Il a frappé 30 000 aujourd'hui. Là. C'est énorme, là. C'est énorme. Et il est à des niveaux le plus élevés qu'avant, la pandémie. Ça n'a pas de sens. Mais bon, s'il monte comme ça, on peut faire des petits on and off, bien tant mieux. Tant mieux. Donc, à 10h04, je suis revenu voir Palantir. Palantir, on le dit en français, là. PLTR pour les intimes. Et 15,63 à 10h30, à 10h04. Lui, j'ai eu chaud. Je regrettais mon achat. 10h04. Pourquoi je l'ai acheté? J'ai aucune idée. Bon, on va le regarder, là, pourquoi j'ai décidé d'acheter ça. Parce que je pensais, quand il était presque dans le bas ici, il était dans le bas ici, il n'a pas fini sa descente ici cependant. Il n'était pas venu à côté ici. Donc, je l'ai acheté trop vite. Je l'ai acheté à 15,63 à 10h04. Et là, il s'est mis à baisser. Là, je regrettais un petit peu. Je regrettais parce qu'il regardait ici. Il commençait à croiser, puis j'avais peur de l'échapper. J'avais peur qu'il s'échappe. Fait qu'il a fait une remontée au même moment. Dans le fond, il a fait une remontée parce que le Nasdaq remontait, le Nasdaq a baissé. Je l'ai acheté un petit peu trop vite. Et je l'ai revendu tout de suite ici, à 10h30. Ici, quand il a frappé le VWAP, je l'ai revendu à 15,75. Ça m'a donné 12 cents fois 3500 actions. Je venais de ramasser un autre 420. Je suis rendu à 2200. 2200 piastres, de fait. Il est exactement 10h30, ça fait une heure que je travaille. J'ai pas commencé cette nuit à fouiller les titres, là. Je les connais, ces titres-là, moi. Okay? Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut dire que je les transige régulièrement et je finis par comprendre leur pattern. Et c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ma stratégie à moi. Je finis par comprendre les patterns qu'il fait. 10h30, j'ai vendu Palantir. Je suis venu sur NIO. C'est la première fois que je transige NIO, mais ça fait un bout de temps que je le surveille. NIO à 10h37. 10h37, c'est ici. Okay? Il est venu toucher. Regardez ce qu'il faisait, lui. Okay? Il a monté beaucoup. Il venait s'accoter sur la moyenne. Okay? C'est le rouge, c'est le Moving Average 50. Il monte. Et là, il vient s'accoter dessus. Je disais, ah ah! J'y vais. Fait que j'ai acheté à 10h37 à 45,7. Donc, probablement ici. J'ai acheté ici. Et je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas aimé. Je l'ai revendu à 10h43, 45,27. Je n'ai pas gardé longtemps. 10h43. Ici. Je l'ai revendu ici parce que il n'y avait pas de direction. Et j'ai bien fait. Quand j'ai vu qu'il ne prenait pas, parce que regardez les autres remonter, ils montaient rapidement. Hein? Ils descendaient tranquillement. Ils remontaient. Ils descendaient un peu. Ils remontaient. Et là, il ne faisait pas. Il s'était comme étiré un peu, fait que j'ai décidé de le revendre tout de suite. Mais quand même, 8 minutes et un autre 240 $ d'accumulé. C'est comme ça qu'on doit faire du day trading. On n'est pas patient. On s'en débarrasse parce que ça reste de la spéculation quand même. Mais les indices nous donnent. Puis après ça, regardez, il a décroché un peu. Et là, il est à son prix de la journée. Est-ce qu'il va remonter encore? Il semble être pas mal là. La moyenne est là. Le VWAP est là. J'ai comme l'impression qu'il nous a donné ce qu'il avait à donner pour la journée. Moi, je ne toucherai plus. De toute façon, je ne travaille plus là-dessus l'après-midi. Je fais ça que le matin, jusqu'à 11h. Et là, j'ai dit, ah ah, je vais aller voir Snap. Snapchat. Ici. Et que j'ai fait, bien fait de m'en débarrasser tout de suite.
J'ai acheté Snapchat à 10h47. Il me restait du temps. Il me restait du temps avant 11h, puis je pensais faire un bon petit coup. Regardez ce qui se passait. Okay? Regardez tout le matin. Okay? Il monte ici, il vient s'accoter. Il remonte, il s'accote sur la moyenne. Il remonte, il redescend. Il s'accote sur la moyenne. Puis là, ici, je fais comme, OK. Il vient de remonter encore. Il redescend. C'est ici, je le prends. 10h47. Et là, je me dis, OK, bien, il va remonter encore si on regarde le pattern d'avant. Mais là, il fait du surplace. Il fait du surplace. Et là, je décide de m'en débarrasser ici à 45 et 27. À 10h59. Et regardez ce qu'il fait après. Je le vends ici. J'ai fait quand même 240$. Et après ça, il monte. Ouf! Pour dégringoler. Donc là, il vient d'échapper. Là, moi, j'y touche plus. Regardez, ça vient de décrocher pour la journée. On ne sait pas si ça va remonter, cette affaire-là. Mais pour moi, elle semble se stabiliser. De toute façon, ma journée est faite. Il est descendu. Regardez aujourd'hui, zéro patience, zéro émotion. J'achète, je revends, j'achète, je revends, j'achète, je revends. Je ne niaise pas avec, avec ça. Et ça a marché. Ça a marché matin. N'oubliez pas, OK, mon objectif, là, c'est 500$ par jour. J'ai 2480 un lundi matin à 11h. Ma semaine est faite. Bon, demain, je vais continuer pareil, là. Mais il faut être prudent. J'ai transigé dans une journée qui monte aujourd'hui. C'est facile. Si demain, ça dégringole, ça se peut que je passe mon tour. Ou que je regarde s'il y a des opportunités. Mais ne soyez pas patient dans le day trading. Dans le long terme, je n'ai pas encore refait mon portefeuille. Je n'ai pas trouvé encore qu'est-ce que je dois vendre et qu'est-ce que je dois acheter pour le long terme. Il faut que je prenne le temps de faire ça. Mais regardez aujourd'hui, 2480 à transiger. Palantir une première fois. Ford, on revient sur Palantir. Même si c'était plus haut que le premier prix que j'ai vendu, c'est pas grave. On regarde les graphiques puis on prend des décisions. NIO. Hein, NIO, depuis le temps que vous m'en parlez, ça fait un bout de temps que je le regarde et je n'avais pas transigé dessus. Je l'ai acheté rapidement. En 8 minutes, j'ai fait 240$ vendu. Merci, bonsoir. Et Snap, je l'ai acheté, ça n'a pas marché. Donc, j'ai juste fait 24$. Donc, j'ai couvert mes frais, mais je n'en ai pas perdu. J'ai aucune transaction perdante ce matin. J'en ai une que je break even, une que je fais un petit peu d'argent. C'est ça, le day trading. En tout cas, c'est ma façon de le faire. Tous des titres de bonnes compagnies. Si j'avais été pogné avec, je sais que je peux attendre quelques semaines, mais j'aime pas ça. Hein? Je n'ai pas regardé DraftKings aujourd'hui. J'ai décidé de passer mon tour sur DraftKings parce qu'il était mal parti. Et là, ça stabilise sur la moyenne. Donc, s'il descend en bas, il y a peut-être une tendance. Il est intéressant, mais regardez, là, c'est son prix en ce moment, il est à son prix. À 42, c'est ce qu'il vaut aujourd'hui. C'est ce qu'il vaut. Il y a peut-être un petit gap vers le bas. Donc, c'est certain que s'il vient toucher le VWAP, il est intéressant pour remonter un peu. Donc, il y a un jeu, tu sais, le plus bas que je l'achèterais, ça serait 41,65 pour aller chercher 30 cents à 41,94. C'est le jeu à faire avec DraftKings aujourd'hui, mais ce n'était pas le titre à jouer aujourd'hui. Définitivement qu'aujourd'hui, c'était Palantir parce qu'avec moi 50 000 à 15$, j'ai un bon swing. Voilà! C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Je suis heureux, je suis content. J'espère que vous prenez des notes en n'étant pas patient. Ne faites pas ce que j'ai fait vendredi. Bonne journée.